Bon, du coup, on a dit, la Crimée s'est faite depuis un petit moment, c'est bouclé. L'Ukraine, c'est en cours, avec le Donbass, c'est bien parti. Voilà. Du coup, prochaine cible, c'est quoi? C'est vous qui avez les papiers. Oh, pardon, oui. C'est Je sûr, peux pardon. chercher, hein. Pardon, oui. Oui. Le prochain, du coup, c'est la Bretagne. D'accord, la Bretagne. Ça m'arrange pas, je devais partir en vacances là-bas, mais bon, c'est pas grave, je vais annuler mes billets. Puis... Faut bien taper un peu petit pour retaper grand, de toute façon, on n'a pas le oui, choix. Oui, voilà, la Bretagne, de toute façon, qui en a quelque chose à faire. Du coup, la question, c'est déjà, comment est-ce qu'on procède? Qui envahit la Bretagne, déjà? Est-ce que vous avez des idées, peut-être? Moi, je pensais aux petits groupes qui viennent de nous rejoindre. Ils ont des preuves à faire, vous voyez. Voyez les Corses, là? Ouais. Les Corses, ouais, très bien, je les pense Corses. Que ce serait bien qu'ils se mettent un peu dessus, histoire qu'on leur donne un patron, un dossier pas trop trop gros sur le coup. Oui. Voilà, pour voir ce qu'ils valent, parce que je les sens pas. Oui, disons qu'ils ont tendance à tout faire péter dès le début, donc c'est un peu, non, c'est un peu non, non, puis bon, à poser des bombes partout, au bout d'un moment, ils nous font des génocides... complètement rien à voir, ils attirent l'attention sur nous. C'est ça, non mais faut, voilà. faut arrêter, on n'est plus en 39. Hein. Non. On n'est plus en 39. Bon, du coup, ça s'est fait, les armes peut-être, est-ce qu'on a des armes privilégiées? Du coup on a dit les bombes, c'est pas la peine. Non. Alors, ils vont certainement, enfin ils vont râler, non même pas, parce qu'ils aiment les armes en général. Donc... Non, une petite mitraillette c'est bien, ouais. Sinon on leur donne, on fait de l'arme blanche, hein. Ça ouais, fonctionne, ouais. Hein. Puis peut-être, peut-être une arme qui est pas légale, hein, dans les. Ouais, un petit cocktail Molotov, par exemple. Un petit crime de guerre, c'est. Ouais. Ça se fait très bien, ça. Oui, très bien, très bien. Je trouve que ça manque de piquant un petit peu tout ça. Alors, on a qu'à mettre du cactus, hein, ça piquera un peu plus. Pas faux. Bah voilà. Pas faux. Un petit coup de cactus, vous voyez, une essence de cactus. On peut même créer une arme atomique à base d'essence de cactus en mettant les pics des cactus dedans qui, en explosant, viendront percer les organes de chaque personne atteinte. C'est vicieux, ça. C'est vicieux, mais vous me connaissez, vous le savez très bien que je suis quelqu'un de très sournoise. Cependant, vous n'avez pas peur que les épines des cactus brûlent dans l'explosion? Mais non, on va faire en sorte de les traiter afin qu'ils soient massifs, beaucoup plus résistants, qu'ils puissent percer la chair et la traverser de part en part. Peut-être une réaction à froid ferait l'affaire. Oui, oui, certainement, oui. Ouais, c'est pas mal ça. De toute façon, il faut bien les laminer, ceux-là. Hein, sur le plan humain, il manque un petit truc, un leader. Un leader pour les Corses, ils ont pas vraiment de leader. Si, je sais. Bah, on a qu'à leur... vous savez quoi? Regardez, là, je viens de sortir le plan résurrection. On a qu'à faire revenir Hitler. Ça me plaît. Ou Staline, c'est bien. Ouais, ou les deux. Les deux, voilà. oui. Puis tiens, hey, autant remonter un petit peu. Genghis Khan, il était très fort. Oh, mais bien sûr, on n'a qu'à revenir, Je note. Les grands de notre époque, il faut... De toutes les époques, il faut les faire revenir. Oui, Napoléon. Aussi. Oh, côté Bretagne, Napoléon, côté Bretagne. Ah, lui, oui, il peut faire quelque chose de propre. Il serait capable de renverser la situation et de prendre la moitié de l'Europe. Attendez, oui. Oui. On n'est pas trop mal, là. Hein. On est bien. D'ailleurs, on a commencé les tests pour les résurrections en venant sur ce dossier-là. C'est en très bonne voie. D'accord. On a un essai qui est presque réussi. Le seul problème, c'est que l'intelligence n'est pas revenue encore. D'accord, c'était donc, qui je sais plus comment s'appelait le bougre. Je crois que c'était... Attendez, que je retrouve son nom. Einstein. Ah oui, non. Si, je le connais, lui, en fait. Je le connais très bien, mais bon, de toute façon, il fait partie des rebuts. Ah revues, oui, là, ouais, voilà, c'était pas une tête, hein. Non, il était pas... Enfin, dans tous les cas, c'en est plus une, si c'en était une avant. Et il arrive à peine à dire bonjour, et ding, 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 voilà, c'est tout ce qu'il peut, voilà, c'est... On essaye de lui réapprendre à parler, hein, peut-être que ça fera, mais bon, vous savez quand même que Einstein a créé des choses très intéressantes, donc ce serait bien qu'on ait ce cerveau-là... Bah, pour allier tous les grands qu'on veut faire revenir. Bon, qu'est-ce que vous avez à pleurer, vous, là-bas? C'est parce qu'on s'en prend à la Bretagne? C'est ça? Oh bah, allez pleurer. Fallait pas nous rejoindre. Voilà, vous aviez qu'à pas nous rejoindre si vous vouliez pas qu'on s'attaque à la Bretagne, hein, tout simplement. C'est quand même terrible, ça, je veux dire, on rejoint pas les Illuminati comme ça pour le plaisir, quoi. C'est, non, mais... Je veux dire, on parle de domination du monde, la merde. C'est terrible. Un problème? Bon, sortez, dégagez, c'est bon.
Dégagez, sinon c'est moi qui vous dégage. À une époque, ça aurait été boulette direct. Ah bah, à mon avis, lui, il va finir dans les tests, hein. Vous voyez les testeurs, là? Les testeurs de nos armes, vous voyez bien? Bon bah, je pense qu'on est... Avec des gens. Je pense qu'on est tout bon. Je pense qu'on est, qu'on est tout bon. Ouais. Ouais, bon. Bah écoutez... De toute façon, j'ai 2-3 dossiers en cours, là, qu'il faudra qu'on revoie. De façon un peu plus privative, parce qu'apparemment, ça dérange ce qu'on peut faire ici. Il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire, d'ailleurs. C'est bon? C'est bon. Non, non plus. Ok. C'est bien. Je suis content. Une bonne réunion comme ça. On gardera les crêpes des Bretons. Non, parce que on va pas se mentir, elles sont bonnes. Notez ça pour, et le cidre. Vous êtes un bon élément. On va garder les crêpes et le cidre. Pour les scientifiques, si ils peuvent les transformer en armes. Et les frites? Les crêpes? Oui. Ah, c'est pas breton, les frites. J'aime bien les frites. Mais parler de choses qui ont des rapports. Lui, il vient de parler de crêpes. Évidemment que les crêpes bretonnes sont bien connues. On va garder toutes les bonnes choses. Sauf les rebuts. Ça dépend. Des crêpes aux frites. On n'a pas un petit dictateur belge ou quoi à mettre? Tintin. Je regarde. Tintin. Tintin, c'est un dictateur belge. Il y a quelqu'un qui vient de dire Tintin. C'est vous hein, qui avez dit Tintin. Oui. J'ai Émile Louis. Ah oui, Émile Louis, oui. Bah attendez, tenez. On devra investir dans des stylos parce qu'on est obligé de s'en partager un, hein, c'est pas terrible. Hein. Moi j'ai pas envie d'avoir votre ADN. Bon, et bien merci à tous d'être venus dans cette réunion. Bien, très bien, on va la clôturer ici. Je retiens les crêpes, monsieur. Vous êtes un bon élément, je vous ai reconnu, heureusement, parce que sinon je peux vous assurer que j'aurais pas pris en compte votre demande, hein, parce que j'en ai complètement rien à carrer. Voilà. Voilà, on se redonne rendez-vous d'ici la semaine prochaine. Je veux que tout ce qui vous a été demandé soit fait. Je me file tout de suite, j'ai un rendez-vous avec la Corée du Nord. À bientôt. Et heureusement qu'il est chef avec moi celui-là, hein, parce que sinon je lui aurais cassé la gueule. On ne coupe pas en fait. Ah, donc très bien, toi tu sais très bien que t'as 3000 armes à ferme avant la semaine prochaine. Vous êtes que 3, je m'en fous. C'est pas fait, vous testez. Ok? Allez, très bien, on se refait un point la semaine prochaine. Je tiens à ce que vous soyez à carreau et que je vous réentende en fait. Très bien. Subscribe, motherfucker.